scène. 3. La fin du pantin. Maintenant j'ai faim. Pourquoi on mange pas? Désolée, mais je n'ai rien à te donner. Mais si, j'ai faim. Je meurs de faim, papa, c'est atroce. Tu n'es pas mon fils. Tu as un pantin de bois fabriqué pour faire des spectacles. Et tout est vide dans la maison. Si tout est vide, pourquoi tu remplis pas? Tu sors dehors, tu vas jusqu'au magasin et tu achètes ce qu'il faut. C'est simple, non? Tu ne comprends pas. Pour pouvoir acheter dans les magasins, il faut de l'argent. Et alors? Je n'ai pas d'argent. Rien. Zéro. Niente. T'as pas d'argent? T'es pauvre? Oui, je suis pauvre. Alors en plus d'être vieux, t'es pauvre? Non, mais c'est la meilleure de la journée. C'est pour ça que tout est moche ici et triste. Je me disais aussi, mais qu'est-ce que c'est moche? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu réfléchis pas pour trouver une solution? Tu peux pas me laisser comme ça, j'ai vraiment trop faim. Mon ami prit son manteau et sortit. Alors le pantin se mit à courir à travers la pièce, à la recherche d'un peu de nourriture. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim!